Yo tout le monde, c'est Christian, je fais bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 4, donc en ruée, côté attaquant sur la carte Siege of Shanghai, donc siège de Shanghai. Aujourd'hui on fait une petite vidéo assez spéciale, donc je vais lancer un petit concept, donc un concept nommé Loadout. Donc en quoi ça consiste? Donc tout simplement sur YouTube, sur Twitter, sur même Skype, ceux qui l'ont, sur Facebook. Ainsi que sur jeuxvideo.com, parce qu'il y a un petit topic que j'ai créé qui concerne voilà le fameux loadout. En gros, vous allez me proposer donc une petite config, donc avec le choix de classe, donc 1 à 4, l'arme principale avec ses accessoires si vous voulez qu'il y en ait ou pas, quoi d'autre, l'arme secondaire, voilà, donc le pistolet, enfin ce que vous voulez que je prenne avec l'accessoire ou s'il y en a ou pas, si vous voulez en retirer, enfin voilà, les gadgets 1 et 2, donc par exemple là pour le soutien munitions et explosifs 4, la grenade de quel type vous voulez, la spécialisation, donc spécialisation attaque, défense, enfin c'est ce qu'il y a en tout en bas, c'est ce qui vous permet donc d'améliorer votre de votre soldat, voilà. Du coup bah après je teste donc cette config donc dans un mode et une carte aléatoire, enfin presque aléatoire et ou qui a un rapport avec enfin la carte aléatoire, le mode est en rapport à la config que vous m'avez donnée. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec donc une config que Cap40 m'a donnée sur JVC, sur jeu2.com. Donc il m'a proposé RPK74M avec le viseur x1 russe, donc qui est le PKS. Aucun attachement, enfin aucun accessoire sur le garde-main, enfin sur le côté du garde-main. Le silencieux, donc silencieux standard, mais enfin peu importe, tu m'as mis silencieux, je pense que tu voulais dire un silencieux aléatoirement, vu qu'il y en a 4 et que c'est quasiment pareil. Sous le canon, tu m'as mis pomme de terre, donc pomme de terre, je ne l'ai pas, mais tu m'as mis aussi poignée courte, donc c'est pareil. Enfin, bref, voilà, c'est les mêmes configs. Du coup, bah, j'ai mis la poignée courte, voilà. Tu m'as mis unique à 6 sans accessoires, apparemment, donc je mis unique à 6 sans accessoires quand tu m'as demandé. Gadget 1, tu m'as proposé la boîte de munitions, voilà, pour des minimes. Les gadgets 2, le C4. En grenade, tu m'as proposé la grenade de flash. Couteau, bon, ça, on s'en fout. Et amélioration interne, tu m'as proposé l'attaque parce que, apparemment, le sprint augmente de 10% votre vitesse. Augmente donc au niveau 2 de 50% l'inventaire maximum des balles, ça c'est pas mal aussi. Surtout que je vais en avoir besoin des balles avec ce chargeur. Grenade augmente d'une unité l'inventaire maximum de la grenade à main, ça va être pas mal en rush ça. Et la chute rudy, ça va être aussi pas mal quand je vais devoir sauter par-dessus le bâtiment. Donc c'est parti, on va se mettre au plus près de l'action. Hop, donnez les gars un petit résumé du début. On va faire le tour. Ok, allez c'est parti. Ah purée, je dis c'est parti, il me fait buter dès le début. C'est génial. On va désengager, on va se mettre en hauteur, on va reprendre de là-haut. Ah là, bon, moi j'en ai tué un. Allez, on va essayer de passer par là. Hop. On va redescendre parce que par moi il y a tout le monde en haut. Il va falloir passer là. Ah purée, je voulais le tuer au flingue. Finalement c'est ton pote avec son AEK là, encore le même, qui est revenu. Mais non les gars, faut aller poser. Et maintenant faut défendre. Faut défendre à mort l'objectif. Hop. Hop. Voilà, nickel. J'y voyais que dalle, mais au moins j'ai protégé. Parce que je pense que si je me serais fait buter, enfin si je l'aurais pas buté avec le C4, j'étais mort. Et le relais pète avec. Hein. Il pète avec. Les gars, faudra peut-être y aller. Hein. On va pas attendre. Hein. Hop là. Voilà, hop là, neutralisé. Si vous passez pas, moi je passe. Ah, j'ai une balle de plus, on lance 45 coups. Si je peux essayer de passer par là. Hop.
fait un petit reconstitution de. Ou toi tranche, j'ai pas vu. Hop. Ou toi par contre ton pote il a pas l'air content. Enfin il se bouge. Mais maintenant il a essayé de se bouger. Pourtant on va être dans la merde, on a pas de tank. On a pas de char lourd. Dès que je peux. Allez, contourne. Hop. Hop là. Neutralisé. Cours, je m'occupe de lui. Hop là. On va passer par là. Dégage. Faut armer les gars, faut armer. Hop. Ah merde, ça va désarmer. Non. Ah là. Bon, 18 à 13, c'est pas mal, hein. Je vais essayer de vous offrir une petite game en atto. Avec la config de Cap 40. Donc, hop, voilà, on va quitter. On va se mettre sur le menu, comme ça relancera pas une partie. Comme ça, on pourra vite faire parler un petit peu de petite config. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la petite config? Alors si on devait comparer entre les deux RP4 disponibles dans le jeu, je dirais que donc, d'un point de vue donc déjà niveau balles, ce qui est dommage concernant le RP4 sur le 14ème, c'est qu'on se retrouve avec 15 balles de moins, on se passe à 45 au lieu de 60. Donc du coup ça peut enlever 1 kill voire 2 kills en moins quand les joueurs sont vraiment groupés. Après le petit plus c'est que la recharge est assez rapide, on dirait voilà, des chargeurs de fusils d'assaut. La portée, donc c'est un petit plus par rapport au RPK12, le RPK14M a une meilleure portée et une meilleure précision, alors que le RPK12 lui compense donc ces deux stats en moins avec la stabilité et le tir en jugé. Donc après c'est à vous de varier, voilà, de choisir entre ces deux armes. Donc pour revenir après à l'arme principale, donc à l'arme du RPK14M pardon, qu'on a choisi, le PKS, donc c'est très utile entre 5 à 10 mètres. Après je trouve que à moins de 5 mètres, le viseur qui est un peu plus utile aurait été le holo, qui est aussi un x1, mais la forme, enfin le fait que ça soit carré est plus facile pour la mobilité, voilà. J'aurais pensé qu'avec un petit viseur laser, enfin un petit laser sur le côté, ça aurait été plus pratique. De présent vert, parce que le vert se voit mieux que le rouge. Le silencieux cap, je te conseille de jouer plutôt au frein de bouche, pas de frein de bouche, qu'est-ce que je dis moi, au cache flamme, excuse-moi, je confonds toujours les deux, au cache flamme, tout simplement parce que tes tirs ne se feront pas remarquer sur la carte. En plus, tu perdras pas de portée avec le cache flamme. Le seul souci c'est juste que si le joueur joue beaucoup avec le son, vraiment un très bon casque, il entendra tes tirs d'assez loin. Alors que voilà, bon après on va dire qu'il n'y a pas autant de joueurs que sur d'autres jeux qui utilisent, enfin sur Battlefield qui utilisent le casque, il n'y a pas tant que ça. Tu vas souvent tomber sur des joueurs qui ont un casque basique, donc du coup le fait qu'il y ait un silencieux ou un tir normal, ils entendront pareil, ils ne pourront pas savoir si le mec est à côté, en haut, enfin voilà, ils ne pourront pas savoir la direction. La poignée courte, c'est pratique quand on fait des tirs en semi, donc en coup par coup, en semi ou en rafale. Bon, malheureusement, je n'avais pas mis la pomme de terre. La poignée pomme de terre, donc j'ai regardé, c'est l'équivalent de la même stat. La différence, c'est que la pomme de terre aurait été un petit peu plus utile en auto. C'est voilà, la stabilité est parfaite avec en auto. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'Unica 12? L'Unica 12, donc avec une petite lampe, ça aurait été un petit peu plus. Ça aurait été vraiment sympa, ça aurait pu aveugler l'ennemi, ça aurait été plus pratique. Les munitions, donc pratique, sachant que faut qu'on regarde, on recharge assez souvent, sachant que c'est un petit, ouais, c'est un chargeur de fusil d'assaut, c'est 45 balles. Ainsi qu'au niveau des flashs, vu que les flashs, on va dire que on s'en sert vraiment énormément, surtout en ruée. Le C4, très utile contre les véhicules de défense. Donc là, vous avez pas pu voir, parce que j'ai essayé d'éviter le char, parce que le char joue vraiment très bien dans cette partie.
Du coup, même quand vous faites de la ruée, c'est un plus. C'est un plus face au, voilà, au véhicule de défense. C'était aussi un petit plus au début, comme vous avez pu voir quand j'étais flashé. Si j'avais plus, enfin, je voyais plus rien, donc j'ai jeté mon Sagat, j'ai levé la tête, je l'ai jeté par-dessus les caisses. Je pense que s'il serait aussi lourd que sur BF3, je me serais pété avec. Ils auraient désamorcé et j'aurais perdu. Or, ça n'a pas été le cas, il est passé par-dessus, j'ai fait péter voilà, le défenseur. La flash, bah, rien à dire, hormis que voilà, hein, c'est pas mal, ça, c'est un petit plus quand on rush, quand on veut amorcer, quand les mecs campent. L'amélioration sprint, moi je la trouve vraiment sympa, sachant qu'on gagne du 10%, donc on peut arriver un petit peu plus rapidement sur le, bah, sur le combat. Enfin, sur la ligne de front par rapport à ses potes, donc premier arrivé, premier servi. On peut, voilà, on peut très facilement devancer l'ennemi. Quand l'ennemi vous course, on peut se barrer aussi facilement. Le petit plus aussi, c'est que quand on arme, on peut se mettre à couvert rapidement aussi. Donc voilà, côté rapide, c'est sympa. Le dégât de chute, c'est aussi sympa, ça évite de perdre 5-10 points. Parce que des fois, quand on se retrouve, voilà, on a très peu de points de vie, 5 points de vie, on saute de 2 mètres, bam, on crève. Ça, ça fout les boules, tu vois, ça c'est vraiment chiant. Les deux autres améliorations qu'ils nous avaient avec, donc au niveau je crois 3, c'était les munitions supplémentaires. Les munitions, donc 50%, c'est vraiment pratique, surtout que comme je disais, il faut recharger très souvent avec cette arme, avec le RPK 74M. Puis c'est assez sympa parce que voilà, on se retrouve pas avec une grosse mitrailleuse à recharger tout le temps, avec un gros camembert, enfin un gros chargeur, un gros camembert, toujours à recharger, à prendre son temps. Là, c'est on change le chargeur, c'est comme un fusil d'assaut, c'est assez rapide. En plus de ça. Voilà, on a la sensation d'avoir voilà, une grosse arme entre les mains, mais qui, voilà, on a quand même la sensation et le plaisir de devoir recharger à chaque fois. Et le dernier truc, c'était voilà, la flash, enfin la grenade supplémentaire, où on passe voilà, je crois de 2 à 3 flash ou de 3 à 4 flash, donc une flash en plus c'est toujours pratique, ça évite, ça fait gagner du temps, ça évite de devoir direct sortir la caisse de mission quand on n'a pas le temps, c'est pratique. Sachant qu'en plus les flashs se balancent assez rapidement. Voilà. Du coup, bah, si la vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à tester vous-même la config de Cap 40, à participer. Pour participer, c'est simple, je vous le dis, vous postez tout simplement sur un commentaire sur YouTube, ou bien vous envoyez un message, ou bien sur Facebook, vous pouvez le poster sur, voilà, la page de, enfin, sur ma page, donc sur Chris Hervé. Voilà, vous pouvez poster aussi sur JVC, m'envoyer un tweet, poster un tweet, voilà, ça me permet de voilà, voir si vous voulez vraiment que je teste une de vos configs, je la verrai automatiquement, je pense que je la ferai. Voilà, si la vidéo donc vous a plu, je vous disais de mettre un petit j'aime, de laisser un commentaire comme je vous disais, de vous abonner aussi, et n'hésitez pas à revenir de temps en temps pour voir s'il y a du neuf, si la série, enfin si le concept fonctionne et que la série voilà, se lance. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette petite vidéo et je vous dis que je me suis bien. J'ai passé un très bon plaisir, enfin un très bon moment et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Voilà. Allez, salut tout le monde. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller faire un tour sur deux de mes anciennes vidéos. N'hésite pas non plus à aller t'abonner sur mon Facebook ou bien sur mon Twitter ou bien tout simplement à aller t'abonner sur ma chaîne. Allez, salut.